Le train de marchandises de la ligne Iwo-Madrid. La plus longue ligne de chemin de fer au monde qui relie la Chine à l'Espagne. Le train part de la ville de Iwo, près de Shanghai, pour un périple de 13 000 km, traversant 8 pays. Durant les 3 semaines du voyage, 60 conducteurs vont se relayer. Commerçant chinois du marché de Iwo, cheminot qui accompagne le train tout au long de son périple, ou fonctionnaire des douanes, nous allons à la rencontre des acteurs qui rendent possible, au jour le jour, ce nouveau trait d'union entre la Chine et l'Europe. La ceinture et la route, comme on l'a baptisé en Chine. Cette ligne de chemin de fer, c'est d'abord le rêve d'un homme d'affaires chinois, Fang Qubin. Et donc, le premier train est parti le 18 novembre 2014 de Yiwu et est arrivé le 9 décembre à Madrid. C'était un très grand jour dans ma vie. Pour moi, cette date est aussi importante que celle de mon anniversaire. Ce n'est que 14 mois avant ce premier train, à destination de l'Espagne, que Feng Qubin a conçu ce projet un peu fou. Le 7 septembre 2013, notre président Xi Jinping a parlé pour la première fois de l'initiative de la nouvelle route de la soie à l'université de Nazarbayev au Kazakhstan. Il s'agissait de construire de nouvelles voies d'échange de marchandises. Donc, inspiré par ce discours, j'ai pris ma décision et nous avons soumis notre projet le 20 octobre au comité municipal du parti et au gouvernement municipal de Yiwu. Notre projet concernait l'ouverture de la ligne de chemin de fer entre la Chine et l'Europe et l'établissement d'un port ferroviaire à Yiwu. Chaque année, il y a des centaines de milliers de conteneurs qui partent de Yiwu à destination de l'Europe. Mais pourquoi a-t-on choisi Madrid comme destination de la ligne? Le choix de Madrid s'appuie sur la réalité suivante. Il y a là-bas le plus grand marché de gros en Europe de produits chinois. C'est aussi le centre de distribution des produits venant de Yiwu pour toute l'Europe. Mais quand j'ai choisi Madrid, je ne savais pas que ce serait la plus longue ligne de transport ferroviaire. La distance est de 13 052 km, soit la plus longue ligne ferroviaire internationale de fret dans le monde. Voilà plus de 600 ans que la Chine et l'Europe ne disposaient plus de liaison terrestre directe. En 2011, une première ligne de chemin de fer a relié la municipalité de Chongqing et la ville de Duisbourg en Allemagne. Depuis, plus de 60 lignes ont été ouvertes entre la Chine et l'Europe, dont la ligne Iwo-Madrid, établie en 2014. Partant de l'est de la Chine, la ligne Iwo-Madrid parcourt 4500 km sur le territoire chinois, puis traverse le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne, l'Allemagne, la France et l'Espagne, pour au bout de 13 000 km, finalement arriver à Madrid. Débutée au IIe siècle avant notre ère, les voies d'échange entre la Chine et les territoires situés à l'ouest de celle-ci devaient aboutir sur les bords de la Méditerranée. La Chine, qui était alors l'unique producteur au monde de la soie, exportait la précieuse étoffe à travers toute l'Asie et les pays de la Méditerranée. C'est pour cette raison que l'on avait baptisé Route de la Soie les voies d'échange entre la Chine, l'Asie centrale et l'Europe. La Route de la Soie, victime de l'insécurité en Asie centrale, s'est interrompue au XVe siècle, avant d'être réinventée par le gouvernement chinois au XXIe siècle. Je suis très stressée au travail, mais la boxe me permet de me détendre et ça me redonne des forces. Je suis de plus en plus addict à la boxe. Dès que j'ai un moment de libre, je prends rendez-vous avec mon coach et je fais des exercices pour me détendre. Madame Pang, comme des milliers d'autres acheteurs de Chine et du monde entier, vient s'approvisionner à Yiwu, la vitrine du Made in China. Je suis la patronne d'une petite société d'export. À mon avis, le marché de Yiwu est comme un guichet unique, une fenêtre à travers laquelle les marchandises chinoises s'exposent au monde. Dans une petite ville comme Yiwu,
Vous pouvez trouver des marchandises venant des quatre coins du pays. Vous allez trouver tous les magasins de la Chine au même endroit. Le marché de Yiwu, c'est comme une armoire où sont réunis tous les produits du pays. Si vous passez 3 minutes dans chaque magasin, il vous faudra 18 mois pour faire le tour. Et c'est possible que vous loupiez certaines échoppes. La ville de Yiwu, à 2 heures de voiture de Shanghai, a connu le premier marché libre de la Chine socialiste, créé en 1974. En 2001, un nouveau marché de gros a été construit, le Yiwu International Trade Center, qui recense aujourd'hui 70 000 commerces en tout genre, présentant 400 000 articles. 2000 personnes travaillent dans ce gigantesque centre commercial qui accueille chaque jour 200 000 acheteurs et visiteurs du monde entier. La ville revendique son statut de plus grand bazar du monde au travers de son slogan « Un océan de marchandises, un paradis pour le consommateur ». Si le Yiwu Market est largement composé d'articles bon marché, fabriqués en très grande quantité, il abrite aussi des produits de qualité supérieure qui attestent que la Chine est aujourd'hui également compétitive dans la technologie de haut de gamme. 90% des cadeaux de Noël vendus dans le monde occidental viennent du marché de Yiwu, mais aussi 30% de toutes les chaussettes vendues dans le monde, 80% des fermetures éclairs, 90% des briquets, et la liste des produits vendus ici est sans fin, comme les allées du marché de Yiwu. Le marché de Yiwu est composé de 5 districts. Moi, j'y achète des bijoux, des jouets et des articles de décoration en gros. Ma société se charge ensuite d'exporter ces produits, fabriqués en Chine et vendus sur le marché de Yiwu jusqu'en Europe, à Madrid en Espagne. J'utilise plusieurs moyens de transport. Le transport maritime, le transport aérien et le transport ferroviaire. Je choisis le transport aérien quand la valeur de la marchandise est élevée et que mes clients exigent d'être livrés rapidement. Quand il s'agit de marchandises avec peu de valeur ajoutée, qui ne sont pas liées à la mode et que le temps de transport n'est pas important, je choisis le transport maritime. Ou alors, quand le volume de commandes est élevé. Le transport maritime est un bon choix, car il permet de réduire les coûts pour le client et pour moi. Pour les marchandises de la collection automne-hiver, par exemple, j'ai des clients qui passent commande en juillet ou en août. Passé ce délai, si ceux qui commandent choisissent le transport en bateau et que la fabrication des marchandises prend un mois, ils vont rater la saison. Il y a maintenant la solution des trains Chine-Europe qui sont rapides. Le coût de transport est moins cher que l'avion et un peu plus cher que le bateau. Mais la vitesse du train est plus rapide que le bateau. Je pense qu'à l'avenir, pas mal de clients choisiront le train. La ligne de train Chine-Espagne fonctionne dans les deux sens et intéresse également un groupe d'importateurs qui occupe une petite partie du marché de Yiwu. Parmi les produits importés venant de plus de 100 pays, Jin Heijun fait découvrir au public chinois les vins et la gastronomie espagnole. Pour Heijun, qui vend du vin, de l'huile d'olive, des jus de fruits et de la charcuterie, la ligne retour Madrid-Yiwu a révolutionné le marché des denrées périssables. Le transport ferroviaire est beaucoup plus rapide par rapport au transport maritime. Comme la durée de consommation des aliments est relativement courte, un an et demi, et parfois même seulement 10 mois, plus la durée du transport est longue, plus courte est la période de la vente et de la consommation. En ce sens, le transport ferroviaire présente pour nous un avantage indéniable. Avec cette maquette, nous présentons en 3 dimensions les produits que nous importons d'Europe. Ces produits sont transportés jusqu'à Yiwu et vendus aux consommateurs chinois. Ici, dans la maquette, vous pouvez voir le vignoble d'où vient notre vin. C'est un endroit à 300 km de Madrid, en Espagne. Sur place, dans ce vignoble, le vin est choisi par notre acheteur, Carlos Santana. Je
suis originaire des Canaries. J'ai étudié à Madrid et je suis parti m'installer en Chine, où je suis resté une dizaine d'années. Récemment, je suis revenu à Madrid. Je fais partie d'une équipe basée en Espagne qui sélectionne des produits qui seraient aptes à être commercialisés en Chine. Nous soumettons notre sélection aux revendeurs chinois et ceux-ci choisissent les produits qui leur plaisent. C'est une chose de parler le chinois, et c'en est une autre de penser chinois. Si je devais choisir entre la langue et la culture, je dirais que le plus important est de comprendre le fonctionnement des individus. Finalement, mon travail, c'est d'être le trait d'union entre deux mondes. Ici, les vignobles qui appliquent leurs critères de production, et en Chine, le client qui attend un produit sur mesure. La clé de la réussite, c'est de trouver un bon produit ici qui plaise au client là-bas. Et nous y parvenons. Jin Heijun, le partenaire de Carlo Santana, a ouvert un restaurant à Iwu pour faire déguster les vins de la Rioja et la cuisine ibérique. Dans le passé, on connaissait l'Espagne au travers de la corrida. C'est une image très connue ici. Et puis, petit à petit, on a découvert la qualité des vins espagnols. Et aujourd'hui, grâce à notre restaurant, c'est la cuisine espagnole qui est à l'honneur. Chambre 204. Attention, monsieur Joe Chunwei, le train que vous allez conduire partira à 14h20. Réveillez-vous et répondez-moi. Présent. Merci de votre coopération. La ligne Chine-Europe est longue. Et si un incident survient, ça va affecter tout le reste de l'itinéraire. Donc, c'est très exigeant pour les conducteurs. L'itinéraire est divisé en plusieurs tronçons. C'est une sorte de course relais. Nous, les conducteurs de train, nous n'avons pas le droit de travailler durant une période trop longue, afin d'éviter la fatigue. Donc, en général, on ne conduit pas plus de 8 heures d'affilée. Mais si le voyage doit durer plus longtemps, notre équipe est composée d'un conducteur principal et d'un conducteur assistant qui se supervisent l'un l'autre. On s'appelle et on se répond. C'est une bonne façon de rester en alerte. Un conducteur confirmé et un assistant conducteur plus jeune, ils veillent l'un sur l'autre. C'est une relation plus étroite que des époux, plus intime que des époux. Ils passent beaucoup plus de temps ensemble. Vraiment beaucoup. Nous avons un appareil d'alerte qui est installé dans la locomotive, près du conducteur. Quand il sonne, nous avons une minute pour presser sur l'interrupteur. On doit tester le système quand on monte dans le train. On presse dessus, comme ça. Et si on ne presse pas, après 60 secondes, l'alarme retentit. D'abord l'alarme de premier niveau, dont le son est relativement faible, avec une lumière blanche. 7 secondes plus tard, c'est l'alarme du deuxième niveau, et son volume est plus fort. 5 secondes après, si tu n'as toujours rien fait, c'est considéré comme un cas d'urgence et le train s'arrête automatiquement. Le train est affrété par des commerçants de Yiwu et par des entreprises de l'Est de la Chine. La société ZKTECO, basée à Dongguan, à plus de 1000 km au sud de Yiwu, est l'un des clients réguliers du train. ZKTECO est parmi les leaders mondiaux des systèmes de sécurité biométrique et possède un centre de distribution de ses produits pour l'Europe à Madrid. ZKTECO est active dans le développement de systèmes biométriques. ZKTECO possède une filiale à Madrid. Alors, on a commencé à utiliser le train Chine-Europe en mai 2017. Il faut compter 25 jours pour le transport de Dongguan jusque chez nos clients à Madrid. Le constructeur de systèmes biométriques envoie sa cargaison par la route jusqu'à Iwu, où ses conteneurs seront chargés sur le train. Si un client souhaite utiliser la ligne Chine-Europe, d'abord, il doit louer un conteneur. Il faut avoir un conteneur vide pour charger ses marchandises. Le client emmène les conteneurs vides à son usine pour y charger les marchandises.
Après que les marchandises ont été chargées, il met les scellés de l'entreprise et les conteneurs sont emmenés sur un site de la douane pour les formalités de transit. Une fois les formalités douanières terminées, les conteneurs sont chargés sur les wagons et le train est assemblé. Après le chargement des conteneurs à la gare ouest d'Yiwu, l'agent de transport de fret met toutes les listes de marchandises dans les enveloppes sur lesquelles est imprimé le numéro du train Chine-Europe. Puis les listes de marchandises sont remises au chauffeur section par section jusqu'à ce qu'elles arrivent à l'agent de compte. Au départ de Yiwu, le train remonte d'abord vers le nord, avant de mettre le cap à l'ouest, vers la ville de Xi'an. Au troisième jour du voyage, le train arrive à Xi'an, capitale de la province du Shanxi. C'est d'ici que partait l'ancienne route de la soie. Et durant des siècles, commerçants et aventuriers se sont croisés dans la fameuse rue Huy. La rue a su garder, jusqu'à nos jours, son aspect cosmopolite et reste l'un des hauts lieux du tourisme en Chine. Du temps de Marco Polo et des caravanes, le centre chinois du commerce avec l'Europe était le marché ouest, dans la ville de Xi'an. Un imposant musée, construit sur les vestiges du marché ouest, relate ce passé glorieux. Le marché ouest était le lieu de réception et de distribution des marchandises venant de l'ouest. Toutes les marchandises transportées à Xi'an par la route de la soie ont été déchargées et redistribuées depuis ici. Donc c'était le point d'arrivée de la route de la soie. En même temps, c'était le point de départ des marchandises transportées vers l'ouest. La route de la soie a en quelque sorte changé le cours du développement de la civilisation locale. C'est devenu une civilisation forgée par différents peuples du monde. La route de la soie a bouleversé la situation de singularité culturelle et a formé une diversité culturelle qui a enrichi la vie des gens. En périphérie de la ville, Yang Tie prend le premier train de banlieue pour aller travailler à la gare de triage de Xi'an. Il me semble que j'ai développé une manie liée à mon métier, une technopathie, quoi. C'est-à-dire que quand je suis dans le train ou que je vois passer un train à travers la fenêtre, j'ai inconsciemment envie de l'examiner. Je contrôle les conteneurs. Je suis chargé de l'examen de la charge, de sa répartition et du plombage des portes, ainsi que l'examen des systèmes de fermeture des portes. Je n'ai pas choisi. J'ai été envoyé ici après avoir fini mon service militaire. Nous sommes tenus d'accepter tout emploi où il manque de la main-d'œuvre. On m'a dit alors que le poste de contrôleur de marchandises me convenait, parce qu'il fallait beaucoup marcher. Normalement, on examine environ 20 trains par jour. C'est-à-dire qu'il faut faire 10 allers-retours. Ça fait 20 à 22 kilomètres. Il faut marcher donc environ
35 000 pas. En partant de la ville de Xi'an, le train quitte les concentrations urbaines et industrialisées de l'Est pour s'engager dans les grandes zones désertiques du nord-ouest de la Chine. Un trajet de 2500 km qui mène le train jusqu'à la ville de Ürümqi, dans la province du Xinjiang. Arrivé à Ürümqi, capitale de la région autonome du Xinjiang. Ürümqi, avec ses 3 millions d'habitants, est la ville la plus importante de l'ouest chinois. Elle est devenue un passage obligé de la nouvelle route commerciale qui va vers l'Europe. Wang Weidong vient prendre son service à la gare de Ürümqi. C'est lui qui conduira le train jusqu'à Alashanko, sur la frontière avec le Kazakhstan. D'abord conducteur assistant durant 8 ans, Weidong a dû parcourir 900 000 km avant de pouvoir passer l'examen pour devenir conducteur principal. Comme lors de chaque départ, accompagné de son conducteur assistant, Wang Weidong vient prendre connaissance de son itinéraire et se soumettre à l'alcotest obligatoire. Avec 127 000 km de voies ferrées, la Chine possède le réseau ferroviaire le plus étendu au monde, derrière les États-Unis. Tous les documents répertoriant les marchandises, remis au premier conducteur lors du départ de Yiwu, ont passé de main en main lors de chaque arrêt. C'est maintenant au tour de Wang Weidong de les amener jusqu'à la prochaine étape, à Alashanko. Wang Weidong fait la dernière inspection de la locomotive avant le départ. Il y avait un film qui s'appelait « Le fils du conducteur de train ». Ça vous paraît peut-être étrange, mais en ce temps-là, nous trouvions prestigieux le fait de conduire un train. C'était un métier glorieux. Quand je conduis un train de marchandises, un si long train, je suis dans la locomotive, et pour moi, c'est comme un long dragon de fer formé par tous ses wagons, en route pour sa destination. Si quelque chose m'arrive, il y aura des conséquences inimaginables. Donc franchement, c'est vraiment un métier prestigieux, à mon avis. Nous avons peu de temps de repos. Si on prend un train de marchandises pour faire un aller-retour, il faut compter 3 ou 4 jours. Parfois ça traîne. Et nous passons une semaine dans le train. Alors ma femme et mon fils se plaignent. C'est pas facile pour ma famille. Et pour mes parents non plus. J'ai de la peine pour eux. Mais je n'ai pas le choix. C'est mon boulot et je dois le faire.
Je doute que mon fils soit fier de moi. Car pour lui, son père ne fait que travailler. Après Urumqi, le train file vers la frontière qui sépare la Chine du Kazakhstan. Un trajet de 500 km qui mène à la ville de Alashanko. C'est ici qu'a été construite l'une des plus grandes gares de marchandises du pays. Alashanko est une porte importante de sortie et d'entrée de la Chine pour toutes les marchandises qui transitent par le rail, allant et venant d'Asie centrale, de Russie ou d'Europe. Durant ces 10 dernières années, plus de 100 000 conteneurs par année ont transité par Alashanko. Le développement de Alashanko a suivi la croissance des échanges entre la Chine, l'Asie centrale et l'Europe. Au début, les trains partaient de Yiwu de façon irrégulière. Ensuite, les trains partaient chaque semaine. Maintenant, il y a toujours 2 ou 3 départs par semaine. C'est une croissance du marché très évidente. Donc pour moi, c'est un océan à conquérir. Le marché est totalement vierge et face à un marché si vaste, il faut saisir toutes les opportunités. Mais je suis également conscient des difficultés. Pourquoi ce projet n'a-t-il pas été réalisé par quelqu'un d'autre? Parce que c'est un projet pour les connaisseurs. Il faut faire face à l'énorme système ferroviaire, à la douane, au gouvernement et enfin au marché. Le train sort maintenant de Chine pour entrer au Kazakhstan. Première frontière et contrôle attentif de la liasse de documents qui accompagne le convoi. Normalement, à l'arrivée des trains Chine-Europe, même si on est en train de travailler sur d'autres récépissés, on les met de côté, car les trains Chine-Europe sont prioritaires. Je vérifie si les documents sont complets, que les formulaires soient bien remplis et le plan de transit conforme à la règle. Si tout va bien, je transmets ces documents au traducteur et au chargé de bons du fret. Le traducteur relie et vérifie les expéditeurs et destinataires, les gares de destination et d'expédition, les désignations des marchandises et les formulaires. Je vous explique. Les récépissés, les documents à l'intérieur de la Chine sont écrits en chinois. Mais ici, on traduit les documents chinois en russe. La Chine communique avec le Kazakhstan en russe. Au début, je ne comprenais pas leur langue. C'est pour ça que j'ai appris le russe. La langue facilite beaucoup mon travail. Shen Xianwei est le 32e conducteur à prendre en main le train parti de Yiwu et le dernier conducteur chinois. Son trajet se limite à la zone franche. Je dois parcourir 12 km d'Alashanko à Dostik. La distance est courte. Mais sur le trajet, il y a beaucoup de formalités à remplir. Le passage de la frontière, l'inspection du train à la douane, puis le contrôle des listes de marchandises dans la zone franche située à 6 km d'Alashanko. Lui, c'est l'agent du contrôle frontalier chinois. Il vient voir dans la locomotive. Il vaut mieux être coopératif. Il effectue un contrôle pour éviter que le conducteur ne passe des choses en contrebande, des choses interdites. Le train parcourt maintenant les 12 petits kilomètres qui mènent à la gare de Dostik en territoire kazakh, afin d'effectuer les formalités d'entrée au Kazakhstan, ancienne république de l'Union soviétique. À la fin de l'Union soviétique, quand le Kazakhstan est devenu indépendant, ils ont ouvert les frontières. Et la jonction du réseau s'est faite avec la Chine. Nous avons étendu nos rails jusqu'à la frontière et les Chinois en ont fait autant. C'est à ce moment que notre station ferroviaire a été créée. Nous nous trouvons entre 2 chaînes de montagnes. À l'endroit où les montagnes se rencontrent, il y a un petit espace et notre ville est juste là. C'est pour cette raison que la région est très sèche et très ventée. Nous avons environ 300 jours de vent par année. Около 300 дней в году.
Ici, on a l'habitude de dire que le vent souffle deux fois par année. La première fois pendant 6 mois dans une direction et la seconde fois pendant 6 mois aussi dans la direction contraire. Il est arrivé que le vent fasse tomber les conteneurs des wagons. Ça a fait la une dans la presse internationale. D'Ostik au Kazakhstan, comme sa ville sœur à la Chanko, bâtie de l'autre côté de la frontière, n'existe que pour et par le passage des trains. La ville est construite dans une nature hostile, balayée en permanence par les vents, où la différence de température entre l'hiver et l'été peut atteindre 84 degrés centigrades. Par le passé, personne n'a jamais vécu ici, mais les intérêts économiques, en attirant ici des hommes en quête de travail, en ont décidé autrement. Ça fait maintenant longtemps que je travaille ici. Je suis actuellement responsable des conteneurs. Je suis en charge de leur transfert. On a beaucoup de travail en ce moment. C'est ici que les marchandises doivent changer de train, afin de poursuivre leur route sur le réseau ferroviaire de l'ancienne Union soviétique, dont l'écartement des rails est plus large que celui du réseau chinois. Chaque conteneur doit donc être transféré sur un autre châssis, dont la distance entre les roues correspond à l'écartement des rails russes. Au cours des 13 000 km de la ligne Iwo-Madrid, les rails changent 3 fois d'écartement, entre la Chine et le Kazakhstan, entre la Biélorussie et la Pologne, et entre la France et l'Espagne. Comme la plupart des habitants de Dostik, Kairat, le responsable des conteneurs, est venu ici, attiré par la promesse d'une vie meilleure. Mon village natal se trouve au bord du lac Alakol. J'ai passé toute mon enfance près du lac. Dans mon village, il n'y avait pas d'électricité. Les gens vivaient dans l'obscurité. Et tout à coup, à 50 ou 60 km du village, une station ferroviaire s'est construite où les gens recevaient des salaires mensuels, où il y avait de l'électricité jour et nuit. Tout le monde a couru là-bas. Les gens de ma génération ont quitté le village. La station est responsable de l'exode de tous les villages avoisinants. J'avoue, quand l'été est de retour, j'ai le mal du pays. Mais je suis là pour travailler. Si j'étais encore un enfant, je resterais là-bas. C'est mon village et je l'aimerai toujours. Mais bon, c'est la vie. Après les 8 heures nécessaires pour effectuer les formalités douanières et charger les conteneurs sur le nouveau train, le convoi quitte Dostik pour un périple de 5000 km à travers le Kazakhstan, la Russie et la Biélorussie. Durant les 5 jours que dure ce trajet, le train fait une quinzaine de courtes haltes afin de changer de conducteur. Ça fait plus de 2 ans que l'on a ouvert la ligne Iwo-Madrid et bientôt ce sera le 3e anniversaire. Il y a quelques jours, le nombre de trains mis en service sur toutes les lignes sino-européennes a dépassé les 5000. À mon avis, après 2 ou 3 ans de fonctionnement, la ligne Iwo-Madrid est encore en période d'incubation. Elle a encore du chemin à faire. J'espère qu'elle va devenir un véritable lien commercial. Notre objectif, c'est que cette ligne soit un modèle du transport ferroviaire entre la Chine et l'Europe. Le train laisse l'Asie derrière lui et s'apprête à faire la jonction avec le monde occidental.
raison d'être de cette ligne de trafic de marchandises. Porte d'entrée de l'Union européenne, le train arrive au poste frontière de Terespol, en Pologne. C'est ici que les marchandises subissent un contrôle rigoureux qui, s'il est passé avec succès, permettra aux conteneurs de se déplacer librement dans toute l'Union européenne. En tant que douanier, on porte une lourde responsabilité et on en est conscient. Parce que nous n'intervenons pas seulement au nom de la Pologne, mais aussi pour toute l'Union européenne. C'est primordial. Nos contrôles sont donc très importants. Des fonctionnaires spécialisés accomplissent les tâches préliminaires au dédouanement de toutes les marchandises du train. Ensuite, ils évaluent les risques de fraude et ordonnent l'ouverture de certains conteneurs dont le contenu sera inspecté pour s'assurer que les marchandises coïncident avec les déclarations du transporteur. Si les marchandises ne correspondent pas aux listes de déclaration ou ne sont pas conformes aux normes européennes, elles n'entreront pas. Si nous soupçonnons une quelconque irrégularité, nous saisissons le conteneur suspect. Je répète, le conteneur TGBU, nous allons le faire acheminer au secteur de contrôle de Malazewicze. Comme vous pouvez le voir sur ces conteneurs, ils viennent de Chine. Ils passent maintenant la frontière, après avoir été contrôlés par nos inspecteurs, et ils vont passer au rayon X. À la douane de Terespol, il n'y a qu'une voie, et tous les trains sont obligés de passer par les rayons X. Dans cette grande tour de 18 mètres et demi, il y a les détecteurs qui reçoivent les rayons X. C'est ici qu'est captée l'image qui apparaît sur nos ordinateurs. Nous avons des spécialistes qui interprètent ces images et qui parviennent à détecter les irrégularités dans la cargaison. D'après les indications des inspecteurs, nous décidons d'envoyer tel ou tel wagon au contrôle. Le contrôle sert à mettre la main sur les marchandises de contrebande, celles qui n'ont pas été déclarées. On trouve de tout dans ces cargaisons. Le plus souvent ici, ce sont des cigarettes de contrebande. Le contrôle par rayon X des chargements a permis d'accélérer les formalités douanières. Le trafic ferroviaire en provenance de Chine a fortement augmenté. Et avec lui, la charge de travail des employés de la douane. Le trafic de conteneurs venant de Chine augmente chaque année. Je ne connais pas exactement les statistiques, mais comparé aux années précédentes, on constate une augmentation significative des trains venant de Chine. Dans le poste d'aiguillage de la gare de triage, le temps s'est arrêté au siècle passé. Construit dans la première moitié du XXe siècle, ce poste d'aiguillage nécessite une certaine force physique pour actionner mécaniquement les aiguilles. Si certaines fonctions bénéficient d'une assistance électrique, on ne trouve par contre aucune trace d'électronique et tout est manipulé comme on le faisait il y a près de 100 ans. Je m'approche de la zone de triage.
On va te changer de voie. Les commandes, derrière moi, servent à diriger les trains qui arrivent. J'indique à chaque train sur quelle voie il se dirige. Chacun de ces leviers correspond à une voie. Si on actionne le levier de la voie 3, le train ne pourra pas aller ailleurs. Chacun des leviers permet, depuis le poste d'aiguillage, de sélectionner où se dirigent les trains. Je pense que j'aurais un sérieux problème si on installait ici l'un de ces équipements ultramodernes. Il faudrait tout réapprendre depuis le début. Non, je n'en voudrais pas. Pour moi, les choses sont très bien comme ça. Je ne suis pas très attirée par tout ce qui est électronique. Peut-être que l'aiguilleur serait content. Ce serait plus facile pour lui d'appuyer sur un bouton plutôt que d'actionner manuellement les leviers. Ça fait 35 ans que je travaille ici, à la station ferroviaire. C'est très stressant. Quand j'étais plus jeune, j'étais très anxieuse. Mais avec le temps et l'augmentation du volume de travail, on se dit que ça ne sert à rien de s'énerver. Il faut rester calme. On recommande à chacun ici dans le poste de garder son calme. Lors de son entrée dans l'Union européenne, l'important trafic et les contrôles obligent le train à ralentir et parfois à s'arrêter. Il devient alors une cible facile pour les voleurs de marchandises. Et c'est un casse-tête pour la PKP, la compagnie des chemins de fer polonais. Depuis quelque temps, la PKP est confrontée à des vols de marchandises dans les wagons. Et il faut trouver la bonne réponse pour résoudre ce problème. Nous avons imaginé qu'il serait probablement adéquat d'utiliser des drones afin de contrôler depuis les airs ce qu'il se passe sur nos trains. Le drone est un engin très mobile et il peut être mis en fonction très facilement. Il peut rapidement se rendre dans n'importe quel lieu le long des rails. De cette façon, on peut repérer immédiatement les irrégularités. Selon notre expérience, à ce jour, nous sommes parvenus à réduire de 50% les vols de marchandises grâce aux drones. Ici, nous avons les images de l'un des drones que nous utilisons pour patrouiller le long des rails. On peut voir qu'un individu regarde à gauche et à droite pour s'assurer qu'aucun garde ne patrouille dans la zone. Il tente d'accéder au chargement du wagon pour prendre du charbon, mais à ce moment, il remarque le drone. Il met sa capuche et il s'enfuit. C'est un cas typique qui montre que la simple présence du drone a fait échouer une tentative de vol. Ici aussi, on peut voir des individus qui viennent chercher les marchandises qui ont été retirées précédemment d'un wagon. Ils les mettent dans des sacs et les chargent dans leur voiture. Le drone est capable de tout identifier. Les plaques de la voiture, les visages des personnes. Et comme on peut le voir, ces individus retournent chez eux en courant, suivis par le drone. Là, ils ralentissent car ils pensent qu'ils sont parvenus à échapper à la surveillance du drone. Alors qu'en fait, le drone a simplement pris de l'altitude et, avec son zoom, il continue de les suivre. Avec cette technologie, ils n'ont aucune chance. Une fois la frontière polonaise passée, le train est en Europe. Il se dirige vers la ville de Duisbourg, en Allemagne. Duisbourg abrite le plus grand port intérieur du monde, qui voit transiter annuellement plus de 4 millions de conteneurs. Parmi ceux-ci, environ 100 000 voyages sur les lignes de chemin de fer qui relient la Chine à l'Europe. Chaque année transitent, par Duisbourg, 133 millions de tonnes de marchandises, dont les 42%, la majorité,
et transportés par bateau. La route et les camions représentent, eux, 38% des transports et le rail assure les 20% restants. Au départ de Duisbourg, chaque train est recomposé dans le terminal en fonction de sa destination avec des conteneurs venant d'origines différentes. L'un de ces trains est d'ailleurs déjà en route pour Madrid, avec entre autres à son bord la cargaison venant de Iwo et des villes alentours. Après un périple de 13 000 km, après 3 semaines passées sur les rails, après avoir traversé 8 pays et changé 60 fois de conducteur, le train et ses conteneurs partis de Iwo à l'est de la Chine arrivent enfin au terminal de Abroñigal à Madrid. La gare d'Abroñigal à Madrid, ouverte en 1974, est le plus grand centre logistique d'Espagne. Tous les conteneurs sont déchargés des trains et repartent par la route vers les clients finaux. Les systèmes de sécurité biométrique, fabriqués en Chine, sont arrivés dans la succursale espagnole de ZKTECO. Si nous avons choisi le transport par train, c'est que certains de nos équipements de sécurité sont très volumineux. Et envoyer par avion un scanner à rayon X ou une vingtaine de portiques détecteurs de métal n'est pas envisageable. Non seulement ce serait compliqué, mais également hors de prix, des milliers et des milliers d'euros. Dans notre cas, comme nous exportons de plus en plus de gros équipements, l'utilisation du train prend tout son sens. Car nous pouvons utiliser un, deux ou plus de wagons en fonction de la taille de nos produits. Près de Madrid, il y a une zone industrielle qui s'appelle Cobo Cayera et qui regroupe le plus grand marché de distribution des produits chinois pour toute l'Europe. Je pense que c'est la raison pour laquelle cette ligne de train entre Iwo et Madrid a été ouverte. C'est même une évidence. C'est en effet au marché de Cobo Cayera, à 20 km au sud de Madrid, qu'est destinée une partie de la cargaison venue de Iwo par le rail. Plus de 10 000 ressortissants chinois travaillent ici. Vous voyez, ces chemises, ces nœuds et ces chapeaux sont tous importés de Iwo. Nous faisons nos achats en gros à Iwo, puis nous les exportons par voie ferroviaire. Les colliers, les bijoux, les ceintures et les sacs de ce côté, ils viennent tous de Iwo. Et nous les vendons à Madrid. Mon père faisait du commerce en Espagne. Maintenant, il est à la retraite. Mon petit frère et moi, nous avons créé un magasin de vêtements en gros. Je suis venu en Espagne en 2007, à l'âge de 15-16 ans. Le rythme de vie en Espagne est moins stressant qu'en Chine. Et la concurrence est aussi moins dure. J'aime bien la vie ici. Commerçant du monde entier établi en Chine, marchand chinois qui s'installe en Europe, la route de la soie perpétue sa vocation de brassage humain et de croisement des cultures. Faire parcourir à ce train plus de 13 000 km dans 8 pays différents semblait insurmontable. Mais comme souvent, ce sont les échanges commerciaux qui ont ouvert la voie
et rendu possible ce qui semblait impossible. Ma vie, c'est la ligne. Et la ligne, c'est ma vie. Je consacre tout mon temps à la gestion de la ligne, à rencontrer tous les intervenants et à résoudre les problèmes. Appelez ça comme vous le souhaitez, un rêve, une mission ou un service pour l'État. En fait, pour moi, c'est une opportunité unique de réaliser une grande chose.